On applaudissement chaleureux pour mon organisé conférence. C'est que la communauté a besoin. Donc, avant de commencer, je vais me connaître plus ou moins dans quelle zone nous sommes, pour qu'il y ait une idée de l'audience. Est-ce que c'est aux États-Unis ou en Haïti? Oui, aux États-Unis, en Haïti. Qui est tout? Qui est à nous gagnons une délégation qui sort de Georgia. Nous gagnons une délégation qui sort de Floride. C'est délégation Floride là. Nous gagnons une délégation qui sort de Boston. Nous gagnons qui sort de Washington D.C. Ronald. Et puis nous avons une délégation qui sort de la Tibonite Haïti. Ok. Très intéressant. Merci beaucoup. Bon, nous avons un Canada tout des gens qui ont suivi, qui ont suivi, qui ont suivi, qui ont suivi nous. Il y a mon New Jersey, il y a mon Canada. Ok. Très bien. Donc, nous vraiment diversifié, nous sommes différents groupes. Je pense que ça a vraiment intéressant. Donc, rapidement, et m'a présenté, ok, moi c'est Olivier Désiré. Et moi, dans le domaine, moi, depuis l'Haïti, moi, je suis dans le secteur financier et gestion. Okay? J'ai plus de 10 ans, pas bien 15 ans dans la finance et management. Donc, et pour le moment, moi, c'est un mortgage professionnel. Okay? Donc, moi, dans la question real estate. Et moi, dans l'aspect financement de real estate. Là. Donc, je dis, hein, nous pouvons parler. Alors, si nous regardons l'agenda, nous pouvons écrire une question de vendre HTK, mais. Parce que nous allons parler de beaucoup plus intéressant, okay, qui est beaucoup plus inspirant. Tout. Donc, sans plus tarder, okay, nous allons parler de. Bon, alors, on fait un petit calendrier. Vous pouvez faire un full screen. Yeah. Oh, one more, to the left. Yeah. The last one. Okay, thank you. En plus, fois, nous faisons référence avec Haïti. Okay. Nous toujours bon bagage qui vini OK question misère là toujours pareil on va souvent forme ou l'autre donc on pense que li important pour aller à la base OK pour aller à la base parce que et même d'après réfléchir ça et pays nous qui connotation et pays qui pauvre dans misère là OK bon bah vous même parce que c'est pas toute vérité hein? OK bon le bon petit plan. Mais on voit que il y a plein de bagages qui fait pour qu'un des titres ça attaché à nous. Yes, sure. Et parce que par exemple tu as un monsieur qui fait une présentation là qui a parlé de Porto Rico dans une jour d'absurde et puis là avec au niveau de pauvreté qui gagne Porto Rico tout. Cependant là on passe Porto Rico, c'est pas à ça parce c'est son local qui vous expliquer mais ça réalité ailleurs. Mm-hmm. Tandis qu'en Haïti nous même nous gain étiquette ça tout attaché là. OK c'est et même en plus nous la connaît dans l'Haïti OK bon par contre si nous gagne même impression même pour même ça c'est pas vrai parce que m'a toute richesse ça gagne nous gagne plus que la République dominicaine sans pas même besoin entrer nous gagne toute richesse ça en termes de production capacité de production nous même besoin parler de ça qui en bas terre on connaît que bon richesse là donc moi c'est que l'important pour tourner à la base et pour parler un petit genre de création de richesse. Donc, je dis, bon, création de richesse, là, son concept, son terme technique, le lien, parce que et real estate, là, et immobilier, sont belles outils, sont belles secteurs, mais bien entendu, création de richesse, de manière générale, sont bagages qui est important pour nous, que nous besoin de la communauté, là, que nous en Haïti, que nous à l'étranger. Donc, go to the next slide. Alors, donc, rapidement, création de richesse, là, j'aime dire son terme technique, même parce que son concept lointain pour un pile monde. OK? Parce que il n'a pas réalisé que, il n'a pas jamais posé question, comme si directement, qui ça crée à ce richesse là et comment est-ce que il a positionné pour son état pour aligner avec ça. Donc, création de richesse là, c'est un monde qui a bon réponse bien, vous n'avez pas grand le temps, mais moi, mes interactions, ça crée à ce richesse là. On répond sous deux réponses rapidement. C'est qui ça? C'est Vercom. On a réponse. Vercom. Très bien. Eh bien, we go to the next slide. Ça me met avec ça, nous toutes les raisons. OK? Je me souviens. Go back.
Oh, you're going the wrong way. You're going the wrong way. No, not the arrows. This one? There you go. Well, we're in the third slide. Third slide. That's what we're at. Okay, exactly. So, ça m'aimait, j'aime d'abord dire, mais toutes les raisons, parce que à ce que je sens, ça allait être son science. Genre, où on a parlé de termes scientifiques, on a parlé de techniciens, on a parlé de l'université. Donc, son science que lui, et science là, la théorie science, ça m'aimait, c'est que son process, s'il marche pour Samuel, la marche pour moi, la marche pour Jacques, la marche pour Jean. Donc, moi, c'est important pour nous tourner à la base, pour nous connaître, et plus précisément, création de chasseur, son process. Okay, donc, il y a des éléments bien déterminés. Docteur Grinson tout à l'heure, il était pas formule parle, mais c'est à peu près ça lié. Vous conseillez d'éléments qu'on met ensemble et l'on ajoute la donne, détermination, football, il y a un résultat pour le bar. Donc, mais j'en ai que là, it's the creation, it's the process of building up assets, resources over time to reach a financial goal. Donc, effectivement, vous avez besoin d'objectifs. Et pas tout objectif là clair, mais on connaît que bon côté besoin aller. Maintenant, quand on besoin aller, on connaît que bon sacrifice que le balmando. On sait les actions pour faire, on sait les balmando pour faire, et il faut qu'on parle faire. Il y a un monsieur qui est Adam Smith, lui-même, quoi, monsieur, monsieur Mourin en 1500-1600. Donc, lui-même, il était parlé de l'économie, on parlait de ça lui-même. Économie, hein, c'est science de la richesse. OK? Parce que économie en lui-même, il a un pile rapport avec ça ne produit, ça ne mange, ça ne consomme, etc. Maintenant, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, nous avons une réponse courte, ça, que création de richesse, c'est une question de faire comme. Mais il n'y a pas une question de. C'est pas ces gens qui font comme là. Okay? Parce que vous avez un travail actif, vous avez un emploi, un travail, mais que l'important, mais on apprend que ce n'est pas le travail là qui prend le bon richesse là, forcément. Nous sommes comme ça, qui fait toute vie au travail. Le moment, 8 ans maintenant arrivé. Bon. Exactement. Pas grave. Donc, rapidement, nous pouvons passer dans le next slide. Mais nous avons parlé de ce process. Maintenant, qui facteur qui entre dans le process là? Qui facteur qui fait que moi, qu'à commencer dans le cheminement pour jeune résultat que m'a cherché. Eh bien, le nous garder, il y a différents facteurs, mais de manière générale, okay, il y a un rapport avec cinq éléments. Discipline financière. Alors, un peu le monde qui va connaître que le mot discipline, il sort de latin disciplina, qui veut dire apprenticeship, qui veut dire apprendre, qui veut dire élève. Donc, c'est apprendre ou venir apprendre une discipline financière. Ce n'est pas un bagage qu'on fait avant, ou penser que, et ou lever tout fait. C'est une discipline côté que, ou un commitment, dans les mots, dans la présentation que parle, côté que, mon cher, comme mon objectif, si je l'attends, je prends le fond, il faut qu'on ne pas faire l'action, parce que l'action, ça contraire à l'objectif. Il m'a dit, on focus à long terme. Là, nous tous connaissons, et c'est ça moi maintenant, dans la présentation qui t'a fait là, yo. C'est la vision, dès que vous parlez de focus à long terme, il faut qu'on vision. Nous avons des mots ça en pile, et nous avons tout et bel et accomplissement que nous parlons sur là. C'est des fruits de plusieurs années, nous avons 20 ans, par contre, c'est gain plus, monsieur gain plus, mais nous avons parlé de 10 ans, 15, 20 ans au moins. Donc, création de richesse, c'est une question de long terme, focus à long terme, là, c'est sine qua non. Maintenant, entrepreneuriat, comme dans là encore, entrepreneuriat lui-même, c'est le goût du risque, mais ce n'est pas n'importe quel risque. Il faut qu'on qui risque pour prendre, il faut qu'on qui risque qui part pour le coup, et il faut qu'on connaît qui a tout pour gagner pour exploiter le marché. En dedans de ça, par exemple, effectivement, bah, c'est ça, mérite une autre conversation, question santé. Hein? Mais n'importe quel virus, l'expérience pour que des projets forcément, dans le secteur ça, peut-être alors, type de financement, le fait sens, mais si c'est populaire, si on va le contester, vous payez, mon cher, il y a plus de chances que ça va marcher. Maintenant, knowledge. Après, le mot knowledge, c'est ce qu'on est, bien entendu. Mais le mot knowledge, le plus loin, c'est qui ça pour appliquer de ce qu'on est. Donc, c'est pas ce qu'on est en français maintenant, mais c'est ce qu'on fait avec ce qu'on est. Et en dernier lieu, je pense que c'est son côté que nous avons plus de faiblesse.
Et bon, moi, mais initiative ça y est, ok, côté que vous mettez en pile dans nous ensemble, il pas une opportunité pour faire des networking, pour bâtir des relations. Mais on apprend que c'est un secteur, nous-mêmes, la communauté panoua, côté que grand pile manque à gagner. Parce qu'en termes de travail ensemble, en termes de bâtir des relations, mais des relations de longue date. Ok, surtout en termes business, c'est pas un détail seulement, non? En termes business pour faire de gros projets ensemble. Maintenant, tout ça, nous parlons là, il y a appliqué de tout domaine. N'importe son abdien, n'importe qui domaine ouvre, agriculture, production, manufacturing, n'importe son abdien là, si au moins 5 éléments ça ne va pas paraître, mon cher, ou pas forcément j'ai un résultat, cher cher. Mais même, moi, je suis bien, biaisé, ok? Alors, je vais monter nos deux, trois petites photos qui t'as supposé parler de tête. Ok? Parce que si on a parlé de entrepreneurial, on a parlé de risque, on a parlé de retour, donc, je pense que tout secteur pas même. Ok, il y a des secteurs qui ont plus d'opportunités, il y a des secteurs qui sont intéressants tout, mais qui ont plus de volatilité. Donc, on aller dans le prochain slide. Ok, donc ça, nous pouvons aller, nous avons parlé en termes général. Là, on va montrer nous différence de prix, nous et sa appréciation qui gagne sur le marché américain. C'est ça que nous devons avoir écouté tout le monde. Rapidement, et en moyenne, et appréciation, on a parlé de prix carré, de manière générale, avec tête ou. Bon, appréciation moyenne de 19% sous un an, entre 2021 à 2021. Bien entendu, il y a une question de COVID là. OK, COVID là qui te met en pile comme cheap money dans la rue, qui fait que en pile monde en position en possibilité d'acheter caille, qui fait une appréciation de caille. Donc, nous, grâce à ça, sans problème, comme dans les gammes de Floride, apprécie à peu près 30%. Washington DC, Guillemont, à peu près 6%. Qui l'autre côté que la vous présentez là? Georgia, 22%. East Coast. Massachusetts, 15%. OK. Next slide. Ça veut dire. This is appreciation. Okay. Donc, ça veut dire que nous avons acheté Kaeli. On fait un terme de 7, ok? En époque, on a un an seulement, mais combien d'appréciation de 2021 à 2022, mais combien que Kaeli apprécie. Sa couleur bleue. Bon, couleur, pas forcément le dire. Elle juste montre que tu as plus concentration, plus ni foncé, c'est plus ni bio, plus ni pâle, c'est moins. Donc, on peut être Florida à 30%, Arizona à 27%, on peut être bien haut. Dakota à 10%, il y a le côté qui est moins que 6% pour DC, quand tu n'as plus pas. So, next slide. Maintenant, on va nous donner sous 5. Ouais, Florida, les gars, les gars, là, sous 1 an, tu es 30%, il y a 81% sous 5. Nous gardons Massachusetts qui est 6% dans 1 an, il y a 55% en 5 ans. OK, si on va parler de des côtés comme Idaho qui va 121%, etc. Et donner ça au public, c'est pas des données que même base, je mets dans la manière, tout à bail. Oh, I see. So, it's from 2017 to 2022. Yeah, which is 5 years. Donc, on peut regarder. Last 5 years, OK. On peut regarder. The last 5 years, OK, mais comment appréciation en fait. On a prochain slide. Mais this should be par contre mathématiques là bien non là this should be 2001 10 ans 21 20 ans so about 21 years donc en 20 ans mais comment table appréciation monter donc Florida sous 52 60% en 20 ans lui près de 400% Washington DC près de 600%. OK, d'un côté, quand pour Utah, ouais, 600%. Colorado, 600%. Qui vont dire Massachusetts, 300%. So, what am I getting at? Pour qui ça m'a montré nous tout bas? Pour qui ça m'a montré nous tout bas? C'est parce que, j'aime bien dire, il y a des secteurs, tout secteur va même. Il y a des secteurs qui sont reconnus pour des secteurs côté que, ou pas que l'argent. Ça veut dire. Lors où on que tout le monde connaît, nous avons un phénomène d'inflation. OK, inflation, c'est que tout bagage vient plus cher. Donc, on dégonce 100 dollars là même, je dis. 100 dollars ça, m'a fait, m'a acheté
à $100. Disons de ça, je vais rentrer dans le market. Mal fait market. Il est plein. On est à la même $100, ça, mon cher. Expérience toute une bande même, ok, je dois finir avec et docteur là lui-même dit mon cher depuis me faire business tout ça marche bien pour ça tout me gars l'autre collègue lui dit mon cher tout ça me marche. Donc soit que le terme business comme nous connaît c'est moins de 10% de business qui réussit après une période de 3 ans après une période de 5 ans. Donc entrepreneuriat direct là il y a plus de risque. Bah, je pense que c'est un beau bail pour entrer là-dedans quand même, mais il faut connaître le plus risque. Stock market là lui-même, comme nous connaissons, il y a plus de volatilité. Ok, donc, l'économie a ralenti comme ça. Ou il y a tendance à ce que le stock prix a baissé. Donc, on achète un stock à $100, les gens ont levé, même $100, ça tourne $15. Là, on va faire. Quand ça tourne, il tourne en dollars. On va tout cas content, $100 passe à 120, 150, mais on va y avoir le sous. Mais real estate là lui-même, c'est le seul côté vraiment côté que, comme ça, on n'a pas qu'à perdre. Comme ça, il y a deux côtés, il y a deux rangs, évidemment, ça fait plus. Mais il n'y a pas qu'à perdre, il n'y a pas qu'à négatif, son seul côté de l'eau. Pour qui ça, c'est des raisons simples qu'on a. Mon besoin de logement, aux États-Unis particulièrement, c'est plus gros pourcentage de dépenses. L'homme, il y a $1,000 le faire, on cherche près de. Au moins 40%, presque 50%, c'est dans le logement là. Donc, parce que, vous allez dans le prochain slide là, pour qui ça veut rester, j'aime bien dire, le set lui-même, c'est des bagailles tangibles, c'est des propriétés tangibles pour acheter, qui c'est tech, qui c'est building, et c'est improvement, c'est amélioration au carbone, on va écrire l'écoudi, on va aller à l'autre technique avec nous, qui permet de bâtir l'écoudi. Ok, il a acheté, il a vendu, il a loué et il inclut résidentiel, commercial, industriel, etc. Ça ne me parle pas plus de détails. Et je pense que c'est un élément important que nous supposons prêter attention à lui, si nous suivons. Il y a un peu de monde qui mentionne ça à Bouchon, contrairement à pays, nous, ok? États-Unis sont un pays très capitaliste, mais ils capitalistes sur le point que tout bagaille pour vendre, tout bagaille net pour vendre, et ça fait mes désavoues. L'Amérique spéciale, tout bagaille pour vendre aux États-Unis. Terre à pour vendre, caille à pour vendre, tout bagaille. Business à pour vendre, c'est pas même nous, c'est un petit conservateur comme ça, la caille nous. Mais États-Unis, pas comme ça. Donc, real estate là lui-même, lui permet de bâtir son richesse, ok, à partir d'un actif qui est tangible. Et qu'à apprécier avec le temps. Appréciation ça, ou même ou joue, c'est très intéressant. Mais il y a un peu de bagaille tout que l'autre investissement va bas où, ou bon héritage qu'on fait automatiquement. Ok, surtout si tu as un petit, mon cher, c'est plus bon héritage pour tes cabailles. Et puis, on a un autre avantage à donner, c'est pas besoin d'entrer dans l'autre détail, il permet tout leverage. Bon, bah, ou des calculs assez simples, côté que, bon, bah, il y a un inconnu, on a un caillou, tu as acheté un caillou à $200,000, 10 ans après, il passe à $300,000. $100,000, ça, il y a un inconnu. Inconnu, c'est un bagage tangible, ou qu'à la banque, ou dire, mon cher, même si ça, que je suis déjà sur lui déjà, ok, même bon appréciation, mon cher, j'ai besoin de fonds business, j'ai besoin de fonds bagaille, j'ai besoin de prêter $50,000 de écolique là. Donc, son bagaille tangible, c'est pas un peu le secteur qui permet et qui baille avant d'aller ça. So, next slide. OK. C'est, je ne vais pas parler tout à l'heure, de éléments de succès. Real estate, car servi comme un actif à long terme, l'histoire en termes de stratégie, OK, parce que moi, ça a fait. Parmi les 2017, il y a des crashs, côté que correction, ok? Mais là, tout le monde qui est habitué aux États-Unis, il y a un peu le temps à poser une question pour quand la déprécié, mon cher, ou pas compter, sous-doué tout, dans combien de fois ça a fait,
dans les derniers 100 ans, okay, including the depression. Yeah. Maintenant, on parle de real estate là, et on parle trop à attendre parce que je pense que le temps a couru, et on continue avec ça. Maintenant, mettez slide ça, on peut commencer avec une déclaration de réfléchir avec eux. Nous, tout doit poser cette question, comment est-ce que nous, car investir dans real estate? Parce que c'est un bagage qui m'intéresse, à pile monde, c'est pas tout le monde. Même parce que ça, c'est une mauvaise question. Ok, pour qui ça me passe ça, c'est une mauvaise question. Jean-Renal te présenté pour nous. On voit que de manière générale, nous n'avons pas de problèmes de succès individuel. Ok, dans pile cas, côté nous avons des gens qui ont un succès. Je pense que la question, ça fait mettre tout slide ça, que c'est Tony Robbins, que c'est Einstein, que c'est Edward Deming, qui était lui-même, c'est monsieur qui inventé système de total quality management, mass production. C'est là que ça a fini avec process. L'Europe fait bagaille, tout bagaille, que c'est pour là, que c'est genre bon, que c'est téléphone, que c'est ordinateur, on process, on assembly line pour faire, et c'est monsieur ça qui a développé comme ça. Donc, nous tout jour, avant de résoudre un problème, il faut assurer pour poser bonne question. Et là, même, à mon avis, ce n'est pas comment est-ce que moi, quand j'investis dans la question qu'on va se poser, je vais vous continuer avec ça, c'est comment est-ce que nous, quand j'investis dans la real estate comme une communauté. Ok, parce que c'est la différence en fait. Personnellement, on a toujours des limites, ok, parce qu'on a des engagements, que le bar va faire, certainement, si vous avez une chance, ok, ou un high income, ou un revenu qui est intéressant, ou qu'à faire au fil des années, mais bien entendu, comme nous tous connaissons, l'un met ensemble, pour faire des bagailles, il y a bonnes possibilités pour aller plus vite et plus loin. Donc, c'est ça qui fait que nous avons un concept de Sayo-Elo syndication. Mais la syndication, c'est un terme technique, c'est un terme légal, nous allons faire recherche sur lui. Mais c'est justement la proposition ça que Samuel Avem gagné pour nous, pour écouter que nous, dans le secteur immobilier, nous avons une opportunité pour nous être ensemble, okay, pour nous investir ensemble. Et tout avantage que nous parlons de là, nous tirons ensemble. Okay, au lieu que son monde individuellement, son monde qui prend tout le là, son monde qui met tout le cobre là, son monde qui joue tout le bénéfice là, tout ça nous dit là, qu'a fait collectivement, côté de nous tous mettre comme là ensemble, nous tous participer, profiter, nous tous partager ensemble, etc. Donc, ça, c'est real estate syndication. Côté next slide. So, what is it? Real estate syndication enables individuals to collectively invest and access larger real estate assets, opening up opportunities and markets that they may not be accessible individually. Donc, en autre terme, ça me dit là, lui permet que vous gagnez accès à des propriétés qui sont plus intéressantes que vous n'avez jamais accès à elles à titre individuel. Maintenant, lui m'a donné un bagage, lui m'a donné un bagage qui sert comme ça. Lui m'a dit que vous gagnez des professionnels expérimentés de real estate qui ont même géré tout aspect bien avec acquisition. Gestion, parce que propriété, là, comment c'est qu'il y a plusieurs propriétés, il y a une gestion, et exécution de stratégie d'investissement, pendant que l'autre investisseur eux-mêmes, ils ont pas de capital. Donc, ça qui est intéressant là-dedans, c'est que, ils permettent que vous faites action de manière collective, conseillez avec des professionnels qui sont dans le domaine, qui comptent ça à faire, qui comptent qui ressources pour vous joindre, ok? Et ils permettent que tout le monde. Pardon? Exactement, il permet tout le monde de participer. Maintenant, comment le fait? Investisseurs, eux-mêmes, c'est comme un business que nous fait. Nous parlons de ça en détail avec Samuel. Donc, business, nous avons des actionnaires dans le business et chaque actionnaire a shares, donc partie dans l'investissement. Aussi simple que ça, c'est comme ce business qui a monté. Chaque monde a une unité ou des shares. Et puis, si son propriété qu'on a bloué, dépendamment de qui stratégie on a utilisé, il y a pas un mot de fixe de plus. Si on a fait Cobla et à nous participer à Cobla et nous, ou son, si son fixe de plus côté que nous vendons, pour FIA partager à tout. You can go to the next slide, and I think it's the final slide. Donc, ça que nous avons besoin de montrer, nous, c'est que, en fait, son process qui
plus pas simple. Malheureusement, il n'est pas simple, okay, parce qu'on a une équipe de professionnels qui travaillent. Donc, on a soit mon qui n'a pas mortgage, ou bien même, ou bien broker, mon qui n'a pas real estate. Mentors, maintenant avec Samuel, il travaille pour un écosystème de compagnie, okay, qui a Leo Realty, mon clé mortgage, et puis mon Leo Investment Properties. Donc, on a un écosystème de compagnie qui investit dans différents ou sont qui impliqués dans différents aspects de real estate, là, que c'est aspect transactionnel de chercher Kyle, aspect de financement et même aspect investissement, mettre investisseurs ensemble. Mm-hmm. Okay? Donc, aspect mentorat là, donc nous-mêmes, nous avons expérience, donc on a qui et insurance et agent pour parler, donc on a qui avocat pour parler, donc on a qui assurance qui est approprié pour le type de l'affaire. Et nous avons qui compagnie que nous avons mis gérer propriété pour nous, ou du moins nous avons qui structure pour mettre en place pour gérer propriété nous de manière adéquate. Et puis, ça est intéressant, ou bien implication de investisseurs. Donc, je me dis, ou bien syndicateurs eux-mêmes qui gagnent responsabilité pour financer, négocier avec nous qu'a fait, définir stratégie d'investissement, plan d'affaires là. Risk capital là, gérer et propriété là, et faire relation avec investisseurs. N'importe gros site n'allez, n'importe gros compagnie, Target, Walmart, Limit, Apple, après, soit sur website, il y a toujours un lien qui est écrit Investor Relations. Ok, Investor Relations. Hein? Son point qui est important, mais malheureusement, dans la communauté, pas nous, ou après que, bah, dit pas gagner, non, mais pas dans pile entreprise ou pas dans pile. Venture qui fait avec un ensemble de monde. De manière collective, ce n'est pas pour un monde, ce n'est pas pour deux mondes. Pour le Bezos de Amazon d'en parler. Et puis, on pose la question, il dit que, ah, mon cher, comment ça se trouve? Parce que Amazon, à l'époque, t'a dépassé valeur un trillion de dollars. Donc, comment ça se trouve? À l'époque, c'est le plus riche, l'homme le plus riche au monde, ou c'est l'homme le plus riche au monde, ou vaut plus de 800 millions. De dollars, comme on sent sur milliardaire, how do you feel? Dis mon cher, plus grosse satisfaction que j'ai, c'est pas parce que milliardaire avec mon ancien, mais c'est parce que nous fait plus de 200, oubliez comment je suis là, donc quoi monsieur qui a 200 millions là-dedans, ouais, comme ça, frère, 2 billion, and then the rest is the shareholders. Donc monsieur, dis mon cher, je suis très content parce que nous créer 1,7 milliard de richesses pour le monde. Pas peut-être. Donc, c'est ça, parce que la communauté a lui-même un petit genre manqué. L'organe, l'autre communauté cubaine, l'autre nationalité, jamaïcaine, toujours pour aimer pour Jamaïque comme exemple, et il a ça comme intérêt pour le faire un échange culturel pour la gens à réfléchir. Il y a très avancé en termes de business, beaucoup plus passé. Nous, il y a plusieurs restaurants, il y a des chaînes de restaurants. Nous-mêmes, nous pas gagné. Nous pas gagné des chaînes de restaurants, puis nous avons dit, c'est pas nous. Donc, c'est la police. OK, donc, mais même, on va le faire pour parler directement avec Samuel, parce que n'a pas question et à la fin. Mais au fil de l'eau, ça m'a essayé de montrer, nous, m'a essayé de message de trying to convey, c'est que real estate, son bon secteur, même si il y a des limitations personnelles qui fait que nous pas capable exploiter individuellement comme ça doit, parce que comme nous connaissons, on est nous riche là tu peux etc tout qu'on a couru d'elle avant pas payer taxe pas payer taxe et bien en fait monsieur a pas fait un illégal c'est taxe qu'on a fait leverage ok avec ça qui permet de régler ça au paper loss niveau de sous papier mais tout comme perdu en dégage toute taxe à vous de payer et bien pas de quoi. Et son bagage légal que le faire, c'est mon bagage comme si son magouille. C'est parce que la loi permet de faire ça. Dans la réalité, taxe comme là favorise investisseurs dans le real estate. OK? Donc, je vais passer directement avec Samuel, mais toujours là, à la fin, après toute question est ensemble. Bon, merci Olivier. Non, pas moi, c'est Samuel, Jean-Samuel Lixama, je suis un agent real estate, moi, je suis un investisseur, j'ai investi dans Miami, not Miami Beach, même avec Olivier, son mortgage, loan originator, tout. So, basically, monde de real estate, là. Mm-hmm.
Bon, mais avec Olivier, nous sommes des jeunes, nous sommes des mentors, nous sommes des Paris, qui sont dans le business de 30 ans, dans le business là, c'est l'éduquer nous, nous avons tous les principes, comment nous faire business là. Donc, avec Olivier, nous voulons focus de parler de real estate education. Donc, pas si nous voulons focus sur ces pics simples, parce que nous faisons un pile, mais notre mamie, nous achetons des cailloux, nous réparons des cailloux, nous vendons des cailloux. Ok, ok. Ou quand je dis ça, c'est about me. L'année passée, même avec Timouin, nous vendons plus que 10 millions de dollars dans le real estate dans la Floride. Là. Nous sommes loan officer, real estate investor, real estate agent license. Tout le monde a license. We can go to the next the slide. Bon, ça, fix and flip. Là. Fix and flip, là, c'est là où acheter. Et Kailan, ou acheter Kailan dans de mauvaises conditions, on retour pour réparer Kailan. Dans la communauté, nous ne pouvons pas acheter Kailan dans de mauvaises conditions. Parce que nous ne pouvons pas un client, nous avons un client qui acheter Kailan. Nous disons Kailan dans de mauvaises conditions, pas nous besoin de Kailan, nous besoin de belle Kailan. Mais nous sommes capables d'acheter Kailan et réparer les valeurs de Kailan. C'est ça, même avec les amis mieux faits, les conditions mieux faits, acheter Kailan, nous réparer Kailan, nous créer des valeurs de Kailan. Next slide. Premièrement, nous cherchons côté de nous, nous parfois, nous allons dans foreclosure website, nous allons dans l'autre auction website, et parfois, tout, nous allons frapper, nous cherchons, nous allons dans la rue, pour le moment, pas dans la rue, moi, pile, quand pour faire photo, vous saisissez, bien plus. C'est un marché, quand même. Nous cherchons un jour pour nous communiquer avec. Mais Kaila, nous avons une technique pas nous utiliser qui fait nous un contact avec Kaila. Nous parlons avec Kaila pour nous acheter Kaila. Nous achetons Kaila à un bas prix. Après ça, nous faisons. Avant d'acheter Kaila, nous faisons due diligence. Nous regardons pour nous si gain problème sur Title One. Nous regardons pour nous qui problème de préparation. Nous hire un inspecteur, nous hire un contractor. Après ça, nous réalisons qui problème là, qui dépense nous va le faire. Qui peut nous capable offrir pour Kailan, pour nous connaître qui n'a qui s'en a pointé. Nous ne pouvons pas entrer dans nos bagages plutôt pour nous bloquer. Mais là, nous, jeunes Kailan, il faut nous jeunes cobla. Parfois, il va nous donner tout cobla, mais nous, il faut nous collecter, nous chercher hard money lender, ou bien nous donner tout cobla, mais nous chercher un rehab loan, nous sommes dans l'office, tout va être financier, nous avons un peu l'expérience là-dedans. Nous comprenons en pile, mais nous mettons ça. So, parfois, nous avons besoin de 20% pour nous réparer en cas, pour nous acheter là. Mais côté nous, nous avons 100 000 dollars pour retirer 100 000 dollars. Nous avons 100 000 dollars, nous mettons 7 nègres, mettons 5 000 dollars, 20 000 dollars ensemble. 5 nègres, mettons 20 000 dollars ensemble, 100 000 dollars, mais 20% dans le paiement. Après ça, nous cherchons nos jeunes rehab. Après ça, nous avons nos jeunes hard money lenders qui financent le restant. Nous avons fait toute préparation ça. We can go to the next slide. Nous faisons innovation. Nous hire un architecte. Parfois, en Florida, Gemun, il fait des CDT chambres, des bagages sans permis là-dedans. So, gouvernement, on demande de nous craser. Pour craser, on va pas juste rentrer pour craser. Faut hire un architecte, faut hire un contracteur, après nous manage comme ça, après nous qui budget, tout ça. Pendant ce temps, nous avons managé la rénovation, nous make sure que tout le bagage net sous temps, parce que vous connaissez contracteur, parfois vous connaissez un bon contracteur, vous connaissez un mauvais contracteur, tout. So, on top of the whole process pour make sure que bagage passe smooth parce que tant coûte un peu l'argent parce que plus que tant que mécanique dans mes nous c'est plus qu'on peut sortir dans proche nous pour mettre plus rapide nous réparer les nouveaux vents li c'est plus possible nous recevoir là nous fin réparer Kailan nous faire marketing pour Kailan pas juste Kailan car fin réparer nous quitter Kailan là tout monde marche dans l'arrière après non nous sommes agents real estate sur le média sur MLS. Mais sur les social media, nous postons sur les social media. Chaque mardi, même avec Olivier, nous, dans la télévision, nous avons Clé Morgue et Jules Sichon, nous faisons télé Anacaona. Nous faisons télé Anacaona.
nous promouvons ça autour, nous consommons la radio, Piment Book, radio, radio de notre Mario, nous promouvons ça. Nous promouvons dire ça, nous gagnons. Laisse nous jouer nos bailleurs, bailleurs, ça. Quand nous allons, nous recevons les bailleurs, nous voulons tout bagarrer, jouer ça de compagnon, ça de compagnon, faire recherche, mettre tout document ça au prêt, inspection faite, préparation faite, notre inspecteur tout ça est devant. Investir au récit pour recevoir l'argent. Moi, le bagage de vous mentionner tout. L'argent, mon yo. L'argent, mon est vraiment important. Pas que l'argent, mon nom. L'argent, c'est des gens qui ne l'argent. C'est tout l'argent investi, l'onge par nous, l'onge par Expo Company, which is title company. So, tout bagage net écrit, tout bagage net en papier, documenté, so, ouais, pour vous comprendre, ça m'a été payé contacté, ça m'a coupé corps, été payé tel corps pour faire tel bagage, tel bagage, tel bagage, tel documenté. Quand il y a la nouvelle, chaque monde connaît combien de profits il y a, combien de recevoir un profit, combien de profits il y a, et combien de profits il y a pour recevoir. Ok? Bon, pour conclusion, je devrais faire bien rapide parce que les vrais frères, frères, soit on tremble parce que frères, frères, dans un pile. Bon, pour conclusion, real estate, c'est une façon, c'est une bonne opportunité pour nous tous faire l'argent. C'est une libre nous, potentialité pour nous faire l'argent dans nos moments. Bon, dernier projet, moi, faire. Nous achetons qu'à la 300 000 $, nous vendons à 600 000 $ dans notre page. Amazing. So, ou qu'à faire l'argent dans moins de temps, après ça, ou gain on peut l'option, comment vous faire l'argent, parfois, quand vous avez l'argent, vous louez l'argent, vous faites l'argent, chaque mois, vous faites l'argent, vous faites l'amour. So, une production pour demander dans real estate là, parce que quand pile quand nous besoin dans market là pas grand pile quand dans market là mais là nous jeune quand nous réparer capable mettre plus quand dans market là et des market là bien nous bien la question une question tax implications because it is a short term investment. So, because I know that, you know, I lost a lot of money because this is my investment, supposed to keep the house for 2 years, but I keep it for less. As a result, I pay a lot of taxes. Capital gains tax. Yeah, capital gains. So, your expenses, for example, am I going up to get credit for them or just I get credit only for my investment, for my return? Very investment. So I'll be responsible for all my taxes. For my capital gains. For your capital gains that you've made personally. Yes. Because c'est comme ça le fait. Donc, yeah. La question par là, c'est à qui hauteur que tu es responsable de taxes. Effectivement, on est bon payeur de coquin bon caille. J'ai un sac de valet. Et fix and flip, côté que nos jeunes ont caille qui a un problème, nous réparer le plan. Et puis, il y a un buy and hold, côté que son cas est acheté. Pendant un temps, si on vend ou loue, donc on fait petit comme chaque mois ou petit comme quand tu es. Maintenant, si que au Québec, il y a moins que un an, quoi, vous gagnez capital gains tax, c'est qu'il y a vraiment exorbitant. Mais on est seulement responsable pour pourcentage de profit que vous recevez, qui est à pourcentage d'investissement que vous faire. So can you guys keep my capital gain and give it to me after a year? No, it doesn't work like that. That's how you miss the large on back and the next project. Spread this to the back. Yeah. No, no. So we don't want to get too technical. Yeah. Même sous, c'est à qui moment pour vendre Kaila. Ok, donc sous Québec Kaila plus qu'un an, bon. On a sous Québec Kaila moins qu'un an. Unless that we agree that comme si nous va faire 1031 exchange pour les bâches pour tout comme nous faire, nous pas cash out, nous pas investir, then you know we don't get hit with the tax. Mais si vous avez cash out, vous avez pas encore vous, well, spend one of my life. Yeah, depuis que comme nous disons, on est tax code là vraiment favoriser mon cas investir dans real estate. Yeah. Depuis c'est pour ça que mes comme là. Ou il y a un problème que si vous avez un cash out, vous pouvez pas. Et pour faire vous investir comme ça, vous pouvez mettre des taxes. Oui, oui, oui. Question. Est-ce qu'au niveau de Tino,
et pourcentage de dividendes pour chaque actionnaire, est-ce que c'est actionnaire qui fixe au niveau du marché immobilier, market cap, est-ce que il y a un pourcentage correctement en fonction de ça, vous inversez, et combien pour les publics? Mes volets sont expérience. L'année dernière, ça a gagné 2 ans. Nous faisons partie de notre équipe ici dans Floride. Et nous savons qu'on a investi à peu près 399 000 $ en achat. Moi, nous avons mis 30 000 $. Et nous ne mettons pas à l'eau à premier. Mais étant donné que Haïti, vous ne voyez pas non. Mais de là, ils vendent qu'à la pour 999 000 $. En retour, et ça, une soirée en vente, dans le mois, et 30 000 $ là, plus 4 000 $ comme dividende. Qu'à la vente pour 999 000 $. À combien ils ont acheté? Pour 399 000 $. Ils vont nous $500 comme comme disons les $3 000 sur $30 000. Bon, nous-mêmes, mais comment nous faire les? N'a pas de temps. Non, 6 mois. 6 mois? Pas mal. Non, le problème, est-ce que c'est $3 000 qui nous dit? Non, c'est alors, ça, parce que le même nom en Haïti, c'est notre définition. Est-ce que votre dépense fait pour Kaila? Est-ce que vous lisez? Oui, c'est pas. Et si on a un autre, vous pouvez tout Kaila pour tout. Non, nous 5 ans. Nous 5 ans. Lâchez Kaila. Nous payons le cash. Est-ce que vous le cash? Nous payons le cash. Toi, c'est la résidence. Ah, le cash, c'est plus. Nous 5 ans. Alors, bien entendu. Nous ne sommes pas capables de situation personnelle pour la qui arrive. Alors, Samuel va bien les détails comment nous-mêmes nous procéder. Mais il faut qu'on ait un document important, par contre, qui structure que l'investissement s'arrête. Si je Samuel le présente là, le navage de propriété, nous pouvons créer une entreprise. Et adresse là, c'est 1, 2, 3 Porto Rico, on a fait 1, 2, 3 Porto Rico, LLC. Côté que l'entreprise, ça, quand elle a son entreprise liée, il gagne des actionnaires. Maintenant, si nous estimons que nos besoins, on va dire un chiffre, nos besoins 5 000 $ au total, ou bien 20 000 $, ou actionnaire à 20%. À 20%. 20% de profit. Pour nous, là, comme actionnaire à 20% de projet, ou bien droit à 20% de profit. À pourcentage qu'on investit, c'est pourcentage ça qu'on va commander dans le profit. C'est un barbeau socialement démetté. Pour nous, on va connaître comment abîmer notre fait avec notre investisseur. Mais nous-mêmes, c'est comme ça de procéder. Après, c'est ça. Sans vous faire son investir, c'est nous. Il y a un business qui est en train de se faire. Parce que vous-même, vous faites 60-70%. I like yours better. So, basically, each purchase is an LLC. Is an LLC. Perfect. I like that. Give me your phone number, guys. Yeah, your call. Yeah, Paul. Next slide. Go to the next slide. The contact information. Okay. Yes. Go to the next slide. Go down. All right, my info is right there. So anybody that need my info, instead of giving it. And Olivia, so you'll be testing that. Yeah, follow me. Of course. Yeah. Come on, first, chemise, back in bed. Okay, question for. Commentaire, là, n'a pas doute que l'investissement dans le real estate font bon investissement. Nous avons un témoignage personnel, pas, mais nous avons un témoignage. Mais bon, l'autre bagaille,
qui t'a intéressé quelques monde dans groupe là ici parce que gen moun là qui a fait travail important de développement en Haïti qui pas gain assez financement et qui t'a intéressé dans monde qui fait bon corps aux États-Unis parce que tu es bien investi dans real estate mais là elle est venue pour payer taxes n'importe qui je fais avoir payé taxes là si mon ça fait des dons que la loi permet de faire il y a qu'à déduire dons ça parfois partiellement parfois totalement de façon pour réduire tax liability. Yes. Ceci existe, nous d'accord. Mm-hmm. Moi, je pense que matin, nous tendez bel programme qui est pour avec développement agricole dans un bon aïe, bel programme qui est développement universitaire, mais il n'y a pas joint à ces corps dans la communauté. Ou même quand on y en soit faire, moi, je suis que vous avez identifié si c'est haïtien qui client, monde qui fait bon cob, cap chercher ou yo cap pas connait que yo doit chercher mais on cap advise yo cap chercher. On côté yo cap fait des dons selon sa comptable dit yo qui légalement parlant qui cap bénéficier des monde cap fait des développements en Haïti et qui besoin des dons pour continuer sa campagne. Moi, quand que monsieur dame nous en position pour nous servir bagaille ça à tout et que dame nous fait commentaire sur ça, est-ce que nous avons une chance? C'est pas jeudi hier, mais peut-être demain nous va être ça développer si nous avons confiance dans cette affaire. You want to go first? Yes, avec plaisir. Et, donc, effectivement, parce que c'est un aspect très intéressant. Donc, c'est un aspect très important. Slogan compagnie qui est abonné du forum, qui est enregistré comme Favot Lucy, donc Prophet. Et que le monde n'a pas de dons. Donc, et que le monde n'a pas de dons, il a déduit de l'impôt. Donc, bah, c'est son bagage assez intéressant. Bien entendu, j'aime mieux dire it's easier said than done. OK, parce que et parce que en pile monde surtout des projets qui ont rapport avec Haïti malheureusement comme on a dit ça, il y a toujours il est très pessimiste. Très pessimiste une capable de dire ça, OK, parce que bon, on va être payant et puis en général, on pas grand pile success story. Que là, ça a bien passé. Voilà. Mais je pense que quelque part, et bon structure, ce que vient à des réflexions en ce sens, mais je pense que tu as supposé qu'on structure, ok, qui puis apte à faire marketing ça, ok, qui a recevoir fonds en haut, ok, certainement avec bon gouvernance, bon gestion, qui a acheminé fonds ça vers bon projet. Même parce que nous avons besoin de références, okay, parce que nous avons cherché différents projets nous-mêmes, ou en réalité, tout le monde a mis convenience. Donc, si nous avons côté toute base à central, côté que nous avons un projet, et puis hop ça lui-même, il place comme élément qui fait marketing, qui a capté attention ça, et qui a capté ton ça, qui bien qui enregistré en bonne et due forme. Qui a même reçu, il a fait déduction en taxe. Je pense que c'est une bonne stratégie pour faire sa fête. Et je pense que la loi, je vais une présentation d'affaires, c'est ça que nous voulons développer. Nous avons différentes structures de non-profit qui, ici ou qui en Haïti, qui a fait des projets, mais qui n'ont pas de moyens. Et ensuite, encourager les jeunes pour entrer dans business investissement, qui quantité nous avons pour rencontrer nous. Maintenant, dans le profit, comment vous avez dans le profit offert, comment vous avez utilisé dans la structure et il y a tout un série de réseaux qui ont des projets. Donc, c'est cette vision-là, je vais exposer là. Donc, nous avons besoin, au lieu de ces USAID, au lieu de ces organisations qui ont besoin,
Je nous dis, nous qui avons investi dans les affaires sociales. Et nous disons, mais quand nous voulons aller, pas de monde qui dit, même comment c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Et le ça a bien impact sur le pays, nous allons poser des questions, parce que c'est petit pays, nous ne connaissons pas comme donc, moi, c'est Paulo, je dis pas que tu as exposé là. Donc, c'est la grande vision. Alors, tu as un commentaire ça. Alors, il y a des projets que tu as là. C'est pas seulement nous-mêmes nous présenter comme ambassadeur immobilier, real estate, nous présentons ça. Mais effectivement, c'est que quand on a notre opportunité entrepreneuriale et qui mérite de supporter directement, OK? Et quand tu as une interaction là, tu as dit, il y a un problème économique, il y a un problème manger. Mais à la base, moi, c'est que il y a un problème de création de richesse. OK? Donc, tout autant que nous, ce n'est pas seulement garder le nom en social, mais nous sommes regarder le nom en entrepreneurial de création de richesse. Tout ressource ça, mais que tout est ça, OK? Donc, ça nous a fait, OK? Pour nous, bâtir richesse, nous faire communauté à vivre.